Qui a dit que Minecraft n'était pas beau? Franchement, c'est de toute beauté. Regardez ça. C'est un truc de malade. Hein? Regarde ça, il est pas mignon, lui. Hein? Ça y est, il m'attaque, mon vieux. Je me casse. Mais what, Jolotte? Mais qu'est-ce que tu fous sur Minecraft? Eh bah, c'est comme ça, ici, mon vieux. On teste un peu de tout. Eh ouais, on innove un petit peu. Enfin, innover sur du Minecraft, je vais peut-être un petit peu loin, là. Mais franchement, j'avais envie de me lancer dans une petite aventure survie. Et je vais vous dire, Minecraft, c'est de la pure découverte pour moi. Hein. Là, c'est de la découverte totale. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez... putain, merde, je me suis pété les jambes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, j'ai à peu près 10 ans de retard. Eh ouais, mais je découvre, moi, seulement maintenant. Eh ouais, franchement, ça a l'air super bien, ouais. Je ne connais absolument rien du tout à Minecraft. Disons que j'ai des petites bases. Des petites. Alors, je sais qu'il y en a qui seront contents suite à cette nouvelle série. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire, mais what, Jolotte, qu'est-ce que tu fais sur Minecraft? Écoutez, les rebutés de Minecraft, je vous comprends. J'étais comme vous il y a quelques temps. Mais laissez-moi une petite chance de vous faire aimer Minecraft. Parce que là, on va vivre une grande aventure. Ça va être un truc de malade. Regardez franchement comment que c'est trop beau et tout. J'ai mis des trucs, ça s'appelle les shaders et tout. Les shaders, les textures pack. Alors d'ailleurs, je remercie Cocola et Fallen. On a passé au moins 3 heures sur le bordel pour le faire marcher. Mais moi, je le voulais comme ça. Ouais. Donc, ceux qui connaissent Minecraft... Donc là, je vous apprendrai rien, on est en mode survie. Par contre, vous, vous allez m'en apprendre beaucoup. Donc d'ailleurs, je compte beaucoup sur vous pour m'apprendre les ficelles du jeu. Dites-moi toutes les astuces dans le commentaire si vous avez des trucs à me dire et tout. Parce que je sais que le monde de Minecraft, c'est énorme. Il y a plein de trucs à faire, c'est... Enfin, c'est vraiment énorme de chez énorme. Et à côté de ça, ceux qui ne connaissent pas Minecraft, eh bien, je peux déjà vous apprendre quelques bases. Voilà, donc là, je me suis mis en mode survie. Donc c'est un mode survie classique, hein, comme on pourrait en trouver dans plein de jeux. Et regardez ça, mon vieux, il y a une cascade et tout. Putain, comment que c'est trop bien fait. Je me casse de là, mon vieux. Dégage-toi. Voilà, regardez ça. Elle est pas belle, ma petite vache, là? Hein? Tiens, on va se faire un petit steak, déjà, pour commencer. Arrête donc de crier, va, alors, mon vieux. Voilà, donne-moi ça. Voilà, elle, on va se la faire aussi. Regardez ça. Je suis en train de la tabasser avec un steak de vache, quoi. Ce délire. Donne-moi ça. Voilà. C'est impeccable, ça, regardez ça. On a 5 steaks et tout. Alors bien sûr on pourrait manger la nourriture crue comme ça, mais il est conseillé de la faire cuire avant de la manger. Ça redonne beaucoup plus de vitamines. Voilà, viens ici, donne-moi ça. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça super stylé. En tout cas, laissez-moi une chance de vous faire kiffer la série. Et si vous êtes content que la série débute, eh bien n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Ça me ferait super plaisir. Ce serait bien si on pouvait essayer d'atteindre les 1000 pouces bleus pour le début de cette série. Franchement, je sais que vous pouvez le faire. C'est pas grand chose, 1000 pouces bleus. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas toujours que dans la description, vous avez un petit lien pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Voilà, tout ceci étant dit, on va se jeter dans le vif de l'aventure. Dans le vif du sujet. Tiens, ouh, viens ici, toi. Regardez ça. Je vais le tabasser avec du cuir, mon vieux. Tiens, donne-moi ça, mon vieux. Vas-y. Voilà, alors vous allez voir que dans Minecraft, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Je ne les connais pas toutes, je suis un débutant, je découvre le jeu. Je connais quelques bases, parce que là, ces derniers temps, j'ai fait quelques parties hors caméra parce que ça m'éclatait. Je faisais, voilà, de la petite survie comme ça, j'apprenais à construire un petit peu, à survivre et tout. Va falloir manger et tout, bien sûr. Va y avoir de l'agriculture. Donc on pourra par exemple élever des animaux. On va pouvoir faire de l'élevage d'animaux. Par exemple cette belle vache, elle est toute mignonne. Eh bien je peux l'enfermer dans un enclos avec ses congénères. Comme ça elle me donnera des petits vachetons. Vous voyez? Si c'est comme ça qu'on dit chez moi. Tiens, mais pour l'instant je vais la tabasser avec un steak, mon vieux. Parce qu'elle va me filer sa bouffe. Viens ici. Oh, arrête donc de courir partout, ça sert à rien. Putain, elle s'est barrée hein. Oh, elle est là, regardez ça. Regardez ça comment qu'elle court, mon vieux. Putain, je vais me la faire. Je vais me la faire. Viens ici. Voilà. Voilà. Donne-moi ça. Eh ben c'est impeccable. J'ai 10 steaks de vache. J'ai du poulet. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool tout ça. Donc au début ce qu'on va faire, parce que la nuit va pas tarder à tomber, donc on va se couper un petit peu de bois. Parce que si vous voulez, la journée, ce qui est bien dans Minecraft, c'est que la journée c'est tranquille, c'est calme, c'est posé et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que dès que la nuit elle commence à tomber, eh bien il y a les zombies qui viennent, il y a les creepers, il y a les araignées, il y a tout un tas de monstres, vous allez voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser un petit peu de bois. On va essayer, on va essayer de faire quelque chose tout simplement. Et j'espère que ça va être cool. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez kiffer la série. Parce que moi, en ce moment, je suis en train de kiffer sur Minecraft. C'est un truc de fou. Je connaissais pas, il y a encore de ça, quelques jours. Je connaissais pas du tout. Je découvre. Je pense que je vais essayer de me creuser une petite grotte pour la nuit. On va essayer de se mettre par là. Voilà, je vais me faire une petite grotte en attendant que la nuit elle tombe. On va essayer de faire ça bien. Alors là, je suis en train de creuser la terre avec un steak de vache, bien sûr. Mais après, on pourra se faire des pelles, des pioches, des haches. Alors là, c'est vrai que je dis ça, je parle surtout à vous qui ne connaissez pas Minecraft.
Mais c'est sûr que les gens qui connaissent Minecraft, ils disent « Oh attends, Jolotte, tu m'apprends rien là !» Bah ouais, je sais que je vous apprends rien. En revanche, vous, vous avez beaucoup de choses à m'apprendre sur le jeu. Parce que moi, je suis vraiment un débutant de chez débutant. Daidi, daido, daido, on rentre des bulots, daido. Regardez ça, la nuit commence à tomber là. Ouh non, c'était un bug mon vieux. Oh putain, si, la nuit commence à tomber. Le soleil commence à se coucher. Ouh, ça va être chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits escaliers, histoire de monter un petit peu. Voilà, hop. Ouais, c'est chaud. Regardez ça. En tout cas, c'est super beau, quoi. Enfin, là, on voit mal le coucher du soleil. Mais là, il y a le soleil qui commence à se coucher. Oh oui, ça commence à s'assombrir, tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre un petit peu de terre, histoire de dire que mon truc, il est ici, pour pas le perdre. Parce que je vous explique, j'avais fait une petite partie, donc j'avais pas enregistré, hein. Et j'avais fait une belle petite maisonnette et tout. Et en fait, je l'avais carrément perdu. Oh putain, regardez ça, ça va commencer à faire nuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit peu de bois. Et je me suis aménagé ma petite grotte là. Et on va se faire ça bien tranquillement, vous allez voir. Regardez, il y a des trucs là-bas. Oh putain, c'est quoi ça? Il y a de la lumière là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Oh! Putain, je vais éviter de me... Oh putain, oui, j'entends les zombies. Je rentre dans mon petit abri de fortune, tranquillement. On va se cacher là-dedans. Le problème, c'est qu'ils peuvent rentrer. Donc ça va être chaud. Alors on va en venir au craft. Alors comment que ça se passe au niveau des crafts? Vous allez voir. Là je vais faire des planches. Donc au début ça se passe comme ça. Si vous voulez j'ai coupé du bois. Maintenant on va récupérer des planches. Là ce qu'on va faire c'est que je vais me faire un établi. Voilà, on va le prendre tout de suite comme ça. Avec l'établi qu'est-ce qu'on peut faire? Bah on peut faire pas mal de trucs. Vous voyez, regardez, plus j'étale les trucs, plus ça fait des machins. Vous voyez, par exemple là je peux faire des escaliers. Si je fais ça par exemple, hop, que j'enlève là. Non? Attendez, c'est comment? Alors attends, c'est comme ça. Voilà, par exemple, je peux me faire un coffre. Je suis vraiment dans la découverte totale. Ok, ça c'est quoi? Un bateau. Ok, d'accord, c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire au début, c'est qu'on va faire des bâtons. Maintenant, regardez, je prends les bâtons. J'en cale deux comme ça. Là, je mets les planches ici, par exemple, voilà. Là, je peux me faire une pelle. Ok, une pelle en bois. Si je fais ça, je me fais une houe en bois. Donc une houe en bois, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. On va pas faire l'agriculture et tout. Je vais commencer, on va prendre une pioche. Ok, ça c'est cool. Ici, on va faire une hache en bois. C'est plutôt cool. Et ben voilà, ça c'est impeccable. Ok, si je fais ça, il me semble que ça fait une épée. Non? Putain, je sais plus c'est comment l'épée. Ou alors c'est comme ça. Comme ça. Non? Ou alors c'est comme ça, non? Putain, j'en sais rien, les gars. Ou alors, attendez, c'est comme ça l'épée. Ah, voilà, c'est comme ça. Voilà, ok. Ça, c'est l'épée. Ne me blâmez pas, les pro-minecraftiens. Franchement, je suis super débutant. Voilà, là, j'ai une épée. Allez, vas-y, là, venez, là, je vous attends, les gars. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh, putain, c'est quoi ça? Oh putain, j'ai faim. J'ai rien pour faire cuire. Et ben on va manger de la viande crue. Alors la viande crue ça remonte un petit peu. Mais ça remonte pas ce que ça devrait remonter en règle générale quoi. Normalement ça devrait remonter beaucoup si on la fait cuire. Voilà, et quand on a notre barre de faim à fond, et ben ça remonte petit à petit la santé, vous voyez. Ce qu'il me faudrait c'est de la pierre. Donc je vais piocher un petit peu. C'est impeccable, ça je crois que c'est du charbon. Et ben ça commence plutôt bien, regardez ça. Putain, il y a l'air d'en avoir un petit paquet quand même, hein. Alors vous voyez que plus je pioche, plus mon outil il s'use en fait. Vous voyez, avec les outils qui vont bien, on creuse beaucoup plus vite, hein. Par exemple là avec la pelle, et ben je creuse beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant ce qu'on peut faire, j'ai ramassé de la pierre. Donc regardez, avec la pierre, ce qu'on va pouvoir faire, voilà, regardez, on peut faire un four, voilà, on va mettre le four juste à côté. Maintenant, ce qu'on va poser dans le four, on va mettre du charbon, c'est ce qui va nous servir de combustible. On pourrait mettre du bois ou autre chose. Et je vais poser mes steaks ici qui vont cuire. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec, ah bah non, bah attendez, avec le charbon aussi, je vais en prendre un petit peu, attends. Voilà, je vais en prendre la moitié, ça c'est cool. Avec le charbon, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, je peux mettre le charbon comme ça, les bâtons comme ça. Et là, vous voyez que je peux faire des torches. Donc c'est plutôt cool. Et là si je prends dans les mains, hop, j'ai une torche. Là je vais, oh regardez, ça commence à faire jour dehors. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on a des torches, donc c'est plutôt cool. Je vais mettre ça sur les côtés. Impeccable. Je vais aplanir le terrain un petit peu parce que ça me plaît pas. Alors ça cuit là-dedans? Eh ben c'est cuit, c'est impeccable. Voilà, je vais laisser mon charbon là-dedans et tout. Non, quoi que je le récupère. D'ailleurs je vais tout récupérer parce qu'on va déménager de là. On va pas rester ici. Ça, hop, le four. Voilà, ça dégage, je le récupère. Je récupère également mes torches. Ouais, je suis une vraie pince, moi, je récupère tout, moi. Donne-moi ça. Et vous allez voir qu'en fait, Minecraft, franchement, c'est l'aventure et tout. On part vraiment totalement à l'exploration, quoi. Ça va être la grande aventure, ça va être un truc de taré. Regardez cette petite vache, comment qu'elle est toute mignonne, mon vieux, là. Hein? Viens ici, toi. Tiens, voilà. Ah bah, ça va déjà plus vite avec l'épée, mon vieux. J'y mets deux coups dans le gosier. Elle tombe raide, mon vieux.
Raide comme une carpette, la vachette. Hein? Ouh, putain, par contre, là-dedans, j'éviterai d'y tomber, tu vois ce que je veux dire? Tiens, on va aller là-bas, là. Eh, j'aurais peut-être dû fabriquer un bateau, comme ça, voilà, impeccable. On va pouvoir mettre en œuvre notre bateau, notre belle construction des temps modernes. Ah, oh, comment que ça marche, mon vieux, cette affaire? Attends, oups, putain, ils s'envolent sans moi. Mais, merde! Mon bateau! Oh, bah, ce délire! Il part sans moi, le bordel! Viens ici, mon vieux. Putain, j'arrive pas à monter dans mon bateau, mon vieux. Bah, finalement, j'aurais traversé la rivière à la nage, tu vois. Bon, bah, on va récupérer mon bateau. Alors, comment que ça marche? Ah, bah, voilà. C'est qu'il faut monter dedans, en fait. Ah ouais, vous voyez? Ça va plus vite avec le bateau et tout, hein. Donc, on va partir un petit peu à l'exploration. On va partir, je sais pas où. Où est-ce qu'on pourrait partir? Quoi? Mon bateau est mort. Je me suis mangé 2-3 nénuphars. Mon bateau est rincé. Ce qu'on va faire, surtout, c'est qu'on va couper du bois. Ça, on va couper du bois au début. Regardez, ça va vite avec la hache, hein. Et encore, vous allez voir qu'après, on va pouvoir se faire... Là, je me suis fait des outils en bois. Mais après, on peut les faire en pierre. C'est encore plus costaud. Alors là, je me suis mis en mode déforestation totale, mon vieux. Ouh, viens ici, toi. Viens ici, parce que tu m'as l'air bien tendre et bien juteuse, ma cochonne. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Un champignon? Bah, je le ramasse. Une pomme! Ah bah ça c'est cool ça. Franchement Minecraft ça me rappelle, alors je sais pas si vous connaissiez déjà ma chaîne à l'époque, mais j'avais fait une série sur Creativerse il y a un moment. Je vais me faire également une pioche en pierre, ça c'est cool. Et je vais me faire une hache en pierre, voilà. Là c'est cool, là t'inquiète on est bien parti mon vieux. Alors attends, ça hop, voilà, donne-moi mon établi et je me casse de là mon vieux. Regardez comment que c'est magnifique avec les effets de lumière et tout, c'est un truc de fou. C'est beau quand même Minecraft, hein. Moi j'aime bien. Oh c'est quoi ça? C'est quoi ces machins, mon vieux? Merde, putain, je perds de la santé. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! C'est quoi ces machins, mon vieux, là? Hein? J'en sais rien, en fait. Ok, d'accord. Ouh, putain, ça va commencer à faire nuit. Je sors la torche, là. Je vais ramasser encore un peu de bois, tranquille. Ok, ça va être chaud, là, parce que ça fait nuit. Ça commence à bien faire nuit. Je pense que je vais me creuser une grotte. Voilà, je vais prendre ça. Tac, voilà. Et on va creuser ça. On va essayer de faire ça vite fait. Et bah voilà, regardez ça. C'est pas cosy, c'est pas impeccable ici. Hein? On va mettre une petite torche ici et tout. Au calme, impeccable. Voilà, regardez ça. Regardez ça, franchement. Regardez ça, comment que c'est super bien là, mon vieux. Hein? On n'est pas bien ici? On va passer la nuit ici. Je vais sortir mon établi. Ok. Je vais sortir mon petit fourneau. C'est parfait. Ok, je vais faire cuire ça, ok, parfait. Je vais creuser encore un peu, mon vieux. Ouh, toi, mon vieux, toi, tu vas finir dans ma gamelle, toi. Aux petits oignons, là, hop là, viens ici. Tiens, il me donne même des plumes, mon vieux, je prends, je ramasse tout. On m'appelle le rapace dans le domaine, t'inquiète, je vais tout piller, moi, dans Minecraft. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Il y a un truc qui me gueule dessus, là, mon vieux, je sais pas c'est quoi. Ça doit être un zombie, ça. Je vais le laisser gueuler, tranquillement, je vais ramasser du bois. Oh! Oh, putain! Dis-moi pas qu'il peut rentrer. Oh, le salopard, il rentre. Espèce de salaud, va. Dégage de là. Oh, putain, regardez ça. Regardez ça, il rentre chez moi, mon vieux. Putain, il rentre tout chez moi. Ça, je ramasse, ça, c'est de la chair de zombie. Vas-y, viens, toi. Allez, viens, je t'attends, mon vieux. Ça, c'est fait. Ah, regardez, ça commence à faire jour. C'est plutôt cool, ça. Oh, putain, il y a un creeper, là-bas. Regardez-le, lui. Regardez-le. On va se le faire, de toute façon. Allez, vas-y, approche. Ah, regardez ça, comment qu'il a le... Tiens, mon vieux. Tiens, prends ça. Alors, voilà. Et bah c'est bon, ça. Voilà, ça je prends. Mon four, je prends. Mes torches, je les ramasse. Et on se casse de là, mon vieux. On va aller trouver un endroit pour construire notre première maison. Tiens, dégage-toi. Voilà. Oh putain, attendez, par contre, j'ai faim là. Je vais manger un petit bout. Tranquillement. Voilà. Fais péter un petit steak. Et bah voilà, c'est impeccable. Regardez, ma santé, elle va remonter. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand notre barre jaune, elle est trop... Elle est trop basse, notre barre de faim. Et bah, on peut pas sprinter comme je fais là. Voilà, donc ça, c'est un petit peu couillon, vous voyez. Voilà, on va faire le ménage ici, mon vieux. Et bah voilà, alors. Et franchement, depuis quelques jours, je suis en kiff sur le jeu. C'est un truc de malade. Ah, par contre, ça, je vais ramasser. Parce que eux, ils me donnent de la laine. Et la laine va me permettre de crafter un lit. Oh putain, je suis plein. Ça dégage. Voilà. Merde, mon épée, elle est quasiment morte. Mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir s'en fabriquer une autre. Tranquillement. Voilà, viens ici. Ouh, regardez. Ouh, ça, c'est un donjon, ça. Ouais, parce que des fois, si vous voulez, il y a des grottes comme ça. On va se faire une petite épée en pierre et tout. Et bah voilà, regardez. C'est magnifique. J'ai une épée en pierre et tout maintenant. Laisse tomber. Ah bah là, c'est plus l'épée en bois. Hein. Ah bah,
J'y mets un coup au mouton, ça le calme direct, mon vieux. Ah non, deux quand même. Tais-toi! Alors, mon vieux, c'est pas vrai, ça. Ouh, putain, ouh, c'est quoi ça? Ouh, ça neige par là? Ça neige? Écoutez, on va monter là-haut. On va essayer de monter tout là-haut. Ouh, ça. Viens ici, toi. Je t'ai vu, mon petit. Donne-moi ça. Ça, le charbon et tout, faut ramasser. Hein. Putain, regardez ça, il y a une grotte et tout, carrément. Regardez ça, quoi. Putain, mais ça descend loin, mon vieux. Est-ce que ça descend loin? On va essayer d'avancer comme ça. Ouh. Je prends. Donne-moi tout ça. Miam, 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 je me régale, là. Je vais continuer à avancer un petit peu, là. J'ai ramassé le charbon et tout. C'est nickel. Oh, j'ai cru entendre de la lave. J'ai peut-être halluciné. Ça, c'était une vache, ça. Attendez. Ah bah! D'accord. Ok. Laisse tomber. J'ai carrément creusé v'là le trou, quoi. Attendez, je vais jeter un truc. Qu'est-ce que je pourrais jeter ça, je m'en fous. Hein. Hop, voilà. Ah bah d'accord, mon vieux. Eh, je vais mettre une torche ici. Histoire de dire que je suis passé par là, tu vois. On sait jamais si je retombe sur le truc, un de ces quatre, tu vois. Je pourrais dire, ah bah ouais, je suis passé par là. Mais qu'est-ce que tu fous là-haut, toi, mon vieux? Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller, quoi. Qu'est-ce que je fous dans les montagnes, mon vieux? Écoutez, on va descendre tranquillement. Où est-ce qu'on pourrait commencer à construire une base? Moi, je dis que c'est pas mal par là. Il y a les grottes à côté à explorer et tout. Oh, puis le soleil, il est en train de se coucher là. Ça va pas tarder à faire nuit, ok, d'accord. Bon, et bien écoutez, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode sur Minecraft. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud pour une petite série parce que moi, je le suis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces ou quoi. Dites-moi également si là. Vous êtes chaud pour qu'on construise la base ici ou si on bouge plutôt ailleurs. Ça va pas tarder à faire nuit, je vais avoir quelques soucis. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye !